Le Parti démocrate est le plus ancien parti politique actif des États-Unis et du monde. Il a été fondé en 1828 par l'homme d'État américain Martin Van Buren. Celui-ci a joué un rôle central dans la construction d'une coalition d'organisations étatiques permettant d'élire Andrew Jackson, président des États-Unis, à qui il succédera par la suite. Connu sous le nom de la démocratie pendant l'ère jacksonienne, le nom du parti a été officiellement adopté en 1844. À ses débuts, il défendait les droits individuels et la souveraineté des États, tout en s'opposant aux banques et aux droits de douane élevés. Il s'opposait également à l'abolition de l'esclavage. À noter que depuis la fin des années 1850, son principal rival politique est le Parti républicain. Aujourd'hui, le Parti démocrate est généralement associé à des politiques plus progressistes. Il défend l'égalité sociale et économique et prône une plus grande intervention de l'État dans l'économie, tout en s'opposant à son ingérence dans les affaires privées des citoyens lorsqu'elles ne relèvent pas du domaine économique. Les démocrates défendent également les droits civiques des minorités tout en promouvant divers programmes de protection sociale comme Medicaid et les bons alimentaires. Au fil de l'histoire, plusieurs figures du Parti démocrate ont dirigé le pays, parmi lesquelles Franklin D. Roosevelt, Joe Biden, Bill Clinton et Barack Obama. Cette fois, c'est Kamala Harris qui représentera le parti lors des prochaines élections en novembre. We are the underdog. And we know we have some hard work ahead.